Certains présupposent que le vide est espace. Or, s'il est espace, il n'est pas ce vide qui est privation de tout corps, puisque tout espace est nécessairement corps, qui entend ce qui est corps, entend comme corps, un composé de parties les unes hors des autres, les unes hautes, les autres basses, les unes à gauche, les autres à droite, un composé long, large, profond, figuré, grand ou petit. Et qui entend ce qui est espace comme espace, entend quoi qu'on dise, un composé de parties les unes hors les autres, à gauche, à droite, d'une telle longueur, largeur, profondeur, figuré entre les extrémités dont il est intervalle, de sorte que l'espace ou intervalle n'est pas seulement un corps, mais un seul corps, entre deux ou plusieurs corps. Si donc, par ce mot vide, nous nommons toute privation de corps, toute présupposition que le vide. Cet espace, il n'y a ni vide, ni Dieu, ni créature, ni corps, ni objet, ni substance, ni événement qui transmet la lumière sans être transparent, qui résiste sans résistance. Ce sont les admirables qualités de l'espace vide. En tant qu'espace, il est et fait merveille. En tant que vide, il n'est et ne fait rien. La galaxie spirale tourne sur ses 100 000 années-lumière de diamètre, mais à l'échelle de l'univers. Que sont 100 000 années-lumière sinon une poussière? Peut-être que si l'univers était cette salle, alors la galaxie ne serait que ce minuscule point errant. L'homme porte le poids de sa gravitation comme une malle au cou. L'oiseau comme une plume peinte au front. Et sur la page blanche, aux marges infinies, l'espace qu'il mesure devient incantation. Non, ne la regarde pas. Je t'en prie, ne la regarde pas. Prends ce miroir. une lune avec un fond là tout noir, et elle sourit comme le chat du Cheshire. À gauche de la lune, la lune est dans un cadre, elle dépasse une petite ombre. À gauche de cette lune, il y a des poissons. Il y a un énorme poisson, comme ça, qui sort complètement du cadre. Il a l'air un peu effaré. En dessous, il y a deux autres poissons. Il y en a un qui a rayures. Voilà. On aurait bien aimé qu'il soit beau, mais... Voilà, c'est comme ça. À droite de ce poisson-là, il y a un gros qui regarde hors de la feuille, carrément. Il faut voir sa nageoire. Au-dessus du poisson se trouve une sorte de visage à la fois christique et exotique. Vous voyez? Un reste de pierre, exemple d'emploi, il y a un bouquet de pierre, il a un léger stonisme à la jambe, c'est un feu de roue, et complètement seulement au cinéma du bas, et moi, c'est un arbre. Il y a quelque chose où s'est-il trompé? On n'en sait rien. Il reste une musique. Il reste une musique. Je ne vais pas vous raconter ça. Ce manzai, il est quelque chose de très intéressant. Il y a une sorte de grand bulbe comme ça qui monte au-dessus lui-même de la limite de la case, et le vase en lui-même représente une scène mythologique. C'est, comment dire, la croix de la carte de croix. Voilà, la croix rouge dans la carte de croix. Il y a un soldat blessé, je pense que c'est un chien, et un soldat. À sa rencontre. C'est un tétraptique. J'ai autant joué et comme il se doit, je me suis perdue. D'êtres vus qui ont vraiment enfanté beaucoup d'images dans l'imaginaire d'une génération. Et encore aujourd'hui, au XXIe siècle, on a envie de vivre, on a envie de jouer, on a envie d'aller vers le corps au cinéma, mais c'est pas vraiment une bonne idée, je crois qu'il faut rester sur le lit, à les illustrations. Fatigant ce machin. C'est quand même pas. Ah, mais. Un grand. Juste un. Mais moi. Non. Messieurs, je suis oh, tutto. Où il est là? Il est là, il est pas là. Où il est là? Qu'on appelle de la danse moderne. C'est des quarks. C'est bien. C'est des quarks qui tournent boule. C'est des gluons. Il y a de l'énergie. C'est ça, c'est de l'énergie pure du gluon. Quark en boîte. Ça surprend, au premier abord. Oui, mais on s'habitue, hein. On en voit partout, ça, ils sont partout, ils sont là dans le plancher. Ça donne des frissons. Ils sont là dans le fauteuil, voilà. Derrière vous, ils sont enfin, à l'intérieur de vos têtes. Ils sont partout, ils sont dans vos doigts, ils sont dans vos ongles. Ils sont dans la petite poussière qui est à l'intérieur de votre ongle. Ils sont à l'intérieur de vos pantalons. Ils sont dans cette chaussure. Je pense qu'il y a des sens cachés. Ils sont dans l'air qu'on respire. Ils sont à la ville, ils sont à la campagne, ils sont à l'intérieur du téléphone. Ils étaient dans les Minitel, aujourd'hui ils sont dans Internet. Le gouvernement est au courant de tout. Ils savent qu'ils sont là, ils ont fait des études. Ils savent qu'ils sont là, ils ont fait des études. Ils savent qu'ils sont là, ils ont fait des études. Ils savent qu'ils sont là, ils ont fait des études. Ils savent qu'ils sont là, ils ont fait des études. Ils savent qu'ils sont là, ils ont fait des études. Ils savent qu'ils sont là, ils ont fait des études. Ils ne sont pas ignorants. Bon, d'accord, quand on les voit à la télévision, on ne pense pas qu'ils sont ignorants, mais ils savent exactement ce qu'ils font. 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 Je suis sûr, j'aurais dû prendre la voiture pour vous. Bon, je vais rentrer en vélo. Ça vous fait rire. Personne ne pourrait me ramener? Hein? Je vois rien. Ah. Ah, merci. On se rejoint tout à l'heure. C'est long. Bah, je sais pas vraiment si c'est à l'intérieur du parquet. J'ai gratté un petit peu. J'ai pas vu grand chose. Je me suis lavé les doigts pourtant. J'ai une hygiène. Tu sens un petit peu. Alors du coup, je me lave tous les jours. Il paraît qu'ils sont même dans la baignoire. Alors bon, au moins on ne se sent pas seul. Quand on rentre à la maison, 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 quand on rentre à la maison. d'excellence admis. Prix d'excellence admis. Prix d'excellence admis. Prix d'excellence admis.